Riyad Season Team. Cristiano Ronaldo. Quelques tensions entre l'Arabie Saoudite et le Qatar. Maintenant, ça va. Al-Khaibari. C'est bien présent, il me semble. Je l'ai vu sur la photo. Être d'opérer en transition. Neymar pour Léo Messi. Oh, Léo Messi, joué. Le premier but. Il a bien essayé, hein, Saoud Abdoulhamid, le latéral gauche, de venir compenser, mais il était en retard. La sortie. Défensif. Pas fallu attendre bien longtemps, moins de 3 minutes déjà, le service du Brésil. Valant, hein, bien joué. Dans les deux, Ronaldo, Cristiano Ronaldo. Calage de Luis Gustavo. Gonzalo Martinez, ouais, c'était une zone intéressante, ouais. Mais on avait 3 minutes de jeu. But de Léo Messi, servi par Neymar, Messi qui va lancer. Il lève bien la tête Hakimi, il a vu immédiatement Neymar au second poteau. Peut-être une hésitation pour le coup. Tendu pour Neymar qui met ce ballon au sol. Retravailler. Oh, il avait la place. Oui, bien fait le 1-2. Mbappé, pourquoi pas tenter. Exécuté pour Bernat. Et là, derrière, c'est très bien. Pour Léo Messi, la grande course d'Achraf Hakimi qui finalement a forcé comme cela sa frappe. Là, il a tenté coup du pied. Il a lancé sa carrière, notamment avec Porto. Ouh, ce coup franc qui était bien tiré, plongeant et. C'était des joueurs, voilà, parce qu'il a quand même été bien tamponné. Il a pris le petit, il a essayé de retrouver ses esprits. Ronaldo face à Keylor Navas. Ouais, c'est bien tiré. C'est bien tiré. C'est bien tiré. Deux, trois situations qu'ils ont eues, c'est pas volé qu'ils mettent un but. C'est All-Star. Maintenant, il est très bien tiré. Hors de portée, il est puissant. Il y a tout le folklore qui va avec. Et ça n'a pas dérogé ici sur cette. Une belle passe pour Carlos Soler. Essayer de. Hakimi, oui, parce que c'était un ballon difficile. Là, on arrive lancé. Ouais, et la faute de. Pour Achraf Hakimi. Ouais, je vous parle encore du. Ce que. C'est rouge pour Bernat. Ouais, c'est. Décalé Kylian Mbappé. Mbappé, ouais, on le connaît. Et. Fabian Ruiz. Fort devant avec Marquis. Même en infériorité numérique, c'est toujours intéressant. Vous avez vu Luis Gustavo, il était avec lui au marquage et ensuite il le laisse. Qui bien joué Marquinhos, le capitaine qui redonne l'avantage au. Intervention, il faut la souligner d'Aloïs. Oh, bien joué. Derrière, le danger est toujours là avec Neymar. Petit pas, il fixe. Oh. Ouais, d'habitude. Ouais, parce que le ballon a le temps d'être fouetté, de retomber. C'est dans le mur, parisien. Deuxième chance. Saoud Abdoulhamid, pas grand monde à la réception, si ce n'est Ronaldo. Oh, le poteau trouvé par Ronaldo avec Sergio. Bah. En réaction, ça a davantage subi. Le centre est bon de la part d'Abdoulhamid. Et après, on est en réaction. Et lui, il ne loupe pas. Ouais, c'est ça. On était. Gustavo. Talisca, la frappe de Talisca. Que ce soit avec le Benfica, avec Beşiktaş. Côté là dans l'entonnoir, c'est un petit peu fermé. Mbappé qui va accélérer. On aime quand il est sur un pas. Il a déposé Abdoulhamid, pourtant qui n'est pas le plus lent. Hein. Loin s'en faut. Mbappé. Et derrière, cette capacité de réaccélération et face à Kylian Mbappé, c'est très très compliqué de. Cristiano Ronaldo. Ouais, il va viser excentré. Fort. Ouais, le second poteau. Ronaldo, ça a été touché. Bonne sortie. Le corner derrière intervalle. Ouais, ça défend en zone. C'est toujours compliqué. Ah. Et on avait déjà eu une alerte avec l'intervention de. Avec Mbappé. Ouais, superbe passe qu'a trouvé Kylian Mbappé pour penalty sifflé par l'arbitre. Même sous pression. Mbappé. Ouais, le plat du pied, c'est bien fait. En compte caritatif, mais c'est souvent des scores de comme ça. Hein. Alors on ne voulait pas On ne va pas nous croire hein, quand on dira que c'était un match. Et la sortie de Cristiano Ronaldo. Bon bah voilà hein, pour le. Et de Léo Messi. Ouais, c'est le football que l'on aime. Voilà. Toujours cette notion de plaisir. Visé devant Luis Gustavo qui était persuadé d'avoir le ballon. Et derrière, c'est très très bien joué. De là, trop forte sur Alois malgré le retour d'Abdelhamid. Chercher Garbi et Ousni au départ. Donnarumma. Ouais, c'est vraiment pour l'ensemble de son. La touche du bout des doigts, mais tellement puissante.
ne peut pas la sortir. C'est cette Riyad Season Team, la formation.